Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Karen TV. J'espère que vous allez bien. Il est genre 5h du matin. Je me gratte l'œil en même temps, genre. Il est 5h du matin. On est le samedi 11 juillet 2020. J'ai eu 4 heures de sommeil. On a une journée très chargée. Je dis on parce qu'on est parti pour un vlog aujourd'hui. Donc je suis réveillée déjà depuis 5h en fait. Mais je ne voyais pas genre se m'aider à sortir de mon réveil, de mon lit. On n'est pas chez les fous ici. Mais en tout cas, là, je vais vous laisser avec le générique. Et je vais aller faire un petit ravalement facial. On vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. Abonnez-vous si c'est passé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On faisait la paix. C'est vrai que nous deux nous étions mignons, mignons. On nous voyait déjà mariés, mariés. Un couple heureux avec des visions, visions. Mais attends, reste. Hello, hello tout le monde, proches. Là, on se retrouve. Là, je suis à la gare. Donc, toute la journée, j'ai filmé avec l'éclairage du jour, en fait, je pense. Donc, là, je suis à la gare, j'attends le train. Pour après récupérer le métro parce que je vais à l'église là ce matin. On a programmé un petit temps de prière entre jeunes, etc. Donc du coup je suis plutôt contente. Mais sauf que je suis grave dans le rush, dans le sens où j'ai pas du tout envie d'arriver en retard, surtout que j'ai lancé un pari. Donc il faut que je prouve que je suis quelqu'un de plus ponctuel que quelqu'un d'autre. Donc c'est ouais, c'est la compétition des gens ponctuels. Mais donc là je suis grave dans le rush et j'attends mon train et vous imaginez même pas comment je suis chargée. Je suis chargée à bloc. Donc je vais vous montrer dans le sens où je suis chargée. Dans le sens où je suis chargée, c'est-à-dire que j'ai ma Rin Line. Elle a un sac, heureusement qu'elle a été livrée avec un sac. J'ai le trépied de la Rin Line et j'ai ma valise. Les gars, j'ai ma valise. J'ai ma valise avec moi donc... Laissez tomber comment je suis chargée, je galère. C'est le terme, je galère. En plus de ça, où j'habite, il n'y a que des pentes. Genre, vraiment, il n'y a que des pentes. Donc, du coup, vous imaginez même pas pour monter à la gare, j'étais essoufflée. Mais bon, c'est pour la bonne cause, comme on dit. Et franchement, j'espère ne rien avoir oublié, parce que sinon, je suis dans la merde pour ce soir. Donc là, je suis actuellement avec mon ami Marloché. Au final, on est arrivé grave en même temps. Il m'a sauvé, il m'a pris la valise, donc du coup, je peux marcher tranquillement. Mais genre, plus fatigué que moi, il n'y a pas. Mais bon, on va tenir le coup. On va s'en sortir. Donc là, je suis bien arrivée à l'église. Donc, bien sûr, je vais vous laisser. Je vais pas vous immiscer dans ma vie spirituelle. Donc, du coup, on se retrouve après mon départ de l'église. Direction la villa pour la fête de ce soir. Hello tout le monde, donc là j'ai quitté l'église. Comment vous dire que j'ai passé un moment genre de ouf et tout. Franchement j'ai kiffé le moment que j'ai passé dans la prière, dans l'adoration. Enfin bref, hey, franchement c'est trop, j'ai tellement hâte de vous faire la vidéo sur la religion. Mais bref, donc du coup là on se retrouve à dans la villa dans laquelle on l'a louée pour l'anniversaire de ma tante. Et elle est en train d'arriver, j'attends, je vais l'accueillir. Et ensuite je vous fais une petite visite guidée devant la maison qu'on a louée, vraiment magnifique. Donc là on est dans l'entrée, il y a le portail juste là. Donc on avance. Donc ces escaliers là vont nous emmener au jardin. Je pense qu'on va d'abord faire le jardin avant toute chose. Je suis trop excitée. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire, franchement. Trop hâte de voir le petit disclaimer pour que vous expliquer. Là il y a des escaliers. Donc c'est comme ça. Là c'est la maison. Donc là vous dites, ça fait la louée pour rien ou quoi. Ah je sais pas, il y a des balançoires, des trucs comme ça. Il y a des tables de ping-pong, etc. Donc on est sur le jardin. Une très grande maison, bien évidemment. Hop. Nous allons monter à l'étage. Il y a la tapis derrière. Mais je vous la montre pas. Donc on est à l'étage, nous avons donc une première chambre, des toilettes, une chambre. En fait c'est une suite, vous voyez, voilà. Donc franchement c'est cousu de ouf. On a une autre chambre, voilà, on a encore une chambre. Avec ça, plutôt pas mal. Nous avons, je grimpe à l'étage, ensuite ça s'appelle une grande chambre. On regarde, et on pousse. Hop, donc on a une chambre encore, avec un petit truc ici. Et j'ai décidé de dormir ici, parce qu'il y a une télé, il y a un lit chic, on s'en fout. Le grand lit, et... roulement de tambour, franchement, regardez. Regardez. Amazing, je suis. Genre love. Donc, moi, je vais mettre une téléphone. Ouais. Et donc, on est chambre en disponible. Donc, du coup, on descend. Aujourd'hui, je vais grave maigrir. Je
la maison, franchement, elle est genre juste ouf. Donc, on continue. Avec... Oui, ici, on est dans le salon. Il y a un piano. Regardez, encore, ça, c'est pour les femmes. Le salon, regardez. Donc, il y a des coiffures. Oui. Allô, maman. Voilà. Elle connaît pas le bruit, c'est bon. Et, pour finir, la terrasse où j'ai fait ma petite entrée tout à l'heure. Voilà. J'ai tellement hâte que vous voyez le ravalement facial, mais genre réel, parce que genre, laisse tomber. Je me suis un peu brûlée ici, laisse tomber. Mais franchement, je suis trop trop contente. Et franchement, je suis trop contente pour ma tante. Dites-vous, ça fait un an qu'on travaille sur ce projet. Un an que, même un peu plus d'un an. Franchement, pour être honnête, avez-vous un peu plus d'un an. Et il y a eu Covid, on a grave désespéré. À la dernière minute, trouver une maison et tout, etc. Et c'était la galère. Donc c'est aussi mon anniversaire, autant que le sien, parce que franchement, j'ai aimé du mien. Marcher dans tout Paris à la recherche de nos robes, de ces robes. Oh, laissez tomber. Mais en tout cas, j'espère que ce soir, ça va être le feu. Bien évidemment, vous allez suivre tout ça avec moi. On se retrouve dans la plus grande chambre de la maison. Donc c'est-à-dire ma chambre, j'ai pris ma meilleure chambre et là je suis posée sur mon fauteuil et je vais tout simplement, elle est coiffée, ma twins, du coup voilà, il y a une maison hantée frère, c'est une villa hantée, les portes elles s'ouvrent toutes seules, j'ai l'impression de voir des gens dedans, bizarre, vous voyez, je sais pas si vous ça vous fait ça mais quand il y a trop d'espace et vous c'est pas occupé, vous vous sentez trop vide, ben moi c'est ce qui m'arrive là. Mais vraiment là, je suis essoufflée, je vous jure, monter, descendre. J'ai perdu tout le poids que j'ai pris. Mais franchement, je suis trop bien dans ma chambre et à ma salle de bain, franchement, cette nuit, je vais bien dormir. Yasmine, tu peux manger. Donc, je suis avec ma twins, mais genre, elle veut pas manger, elle veut pas rigoler et tout, alors qu'elle sait pas. J'aimerais te rappeler le jour où tu m'as demandé, l'heure et là, le temps s'est figé. Yeah, je t'ai tout donné. J'ai pensé que ça suffirait. Dis-moi de. Il est exactement 20h, 21h. La fête commence à commencer. Elle bat pas encore son plein parce que. Hein, Mesna pourrait déjà fuser à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'ai mal au crâne. Genre vraiment mal au crâne. Tous ceux qui me suivent sur Snap, vous savez comment je suis une meuf qui a grave des migraines et tout. Et ben là, ça a recommencé. So. Voilà, je suis en binôme avec ma personne. Donc celle qui me suit sur ça, vous avez vu la robe. Voilà. Donc voilà, très belle, hein. Merci. Et j'ai mis des talons silver, comme ça. Et le aîné, vous connaissez déjà, aîné by Kunta. Merci ma sauce, t'as géré de ouf encore cette fois-ci. Mais du coup, voilà, c'est parti. Donc est-ce que tu veux faire une entrée dans ma vidéo? Ou tu te sens pas prête? Ben genre tu dis coucou les abonnés, coucou la Carmine TV Show. Ok, bon, bah du coup, on a notre première invitée. Coucou les abonnés. Hello, donc je présente Yves Laure, pas ma plus petite, mais c'est ma petite cousine. On a un an et quelques mois d'écart, mais on est comme des sœurs. On a grandi ensemble, on a habité ensemble, et pas qu'une année, et franchement, on est trop contentes. Donc je vous la présente, c'est pas la première, ni la dernière fois que vous allez la voir, parce que ça va. Ça a pété. Dior, ça a pété. On va faire des vlogs, des vidéos. Ça va pété. Donc, Lolo, on leur dit ou pas qu'ils s'abonnent? Parce que je vois depuis, ils dorment, ils veulent pas s'abonner. On veut la. Abonnez-vous, partagez, voilà. La Thank you.
cette journée. Ça fait 24 heures que je suis réveillée, comme je vous ai dit. Je suis fatiguée. Pour une fois, en tant qu'hyperactive, c'est très rare. J'ai enlevé mes bijoux. Mais je suis vraiment fatiguée là. Je vais dormir, vraiment bien me reposer. Heureusement que c'est les vacances. Et qu'est-ce que j'ai à dire? En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Franchement, faites plaisir à vos proches. Moi, ça m'a grave fait plaisir de voir ma tante pleurer et tout. Genre de bonheur, hein, pas de tristesse. Et vraiment, j'espère que ce vlog vous aura été utile, entre guillemets. Mais voilà. Donc franchement, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit ou une bonne journée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, on n'oublie pas, on partage, on commente, on like. Les réseaux sociaux restent les mêmes. Et je suis vraiment très très contente. À recoller les morceaux de notre histoire, autant laisser. Rien ne sert de forcer, faut avancer.